Salut à tous, très très heureux de vous retrouver sur le plateau de Gym Tonic. La Ligue 1 reprend enfin ses droits et la deuxième partie de saison s'annonce palpitante pour l'OGC Nice. Et pour m'accompagner sur ce plateau, eh bien William Imbercé de retour parmi nous. Salut Will. Salut Mika, salut à tous. Et la légende, le big boss, le chef du service des sports de Nice Matin, Philippe Camp. Ça va mon Philippe? Ça va très bien, merci. En petite forme ou non, ça va? Une petite toux passagère. Ouais, hein, ouais, il va falloir soigner ça. Qui risque de gêner l'émission. Ouais, et oui, c'est embêtant. Notre invité cette semaine est l'actuel entraîneur des gardiens du centre de formation du Racing Club de Lens, poste qu'il a déjà occupé à l'OGC Nice, Thierry Malaspina, entre autres, hein, bien sûr. Thierry Malaspina est avec nous. Salut Thierry. Bonjour Mika, bonjour à tous. Qui mieux que toi hein, pour évoquer évidemment ce match contre Lens jeudi soir à l'Allianz Riviera, ce match de deux reprises. Évidemment, tu connais parfaitement les deux clubs et tu vas nous en parler cet après-midi. Au sommaire également donc de cette émission, nous reviendrons sur le bilan des matchs amicaux, de la préparation de l'OGC Nice pendant cette Coupe du Monde. Florent Ghisolfi qui a fixé le cap dans une interview à Nice Matin, et puis Andy Delors qui s'interroge sur son avenir au sein de l'attaque rouge et noire. Il y aura également les dernières infos mercato, sans oublier le pour contre, le souviens-toi de Philippe et la compo probable de Nice-Lens. Mais on commence, messieurs, par la grosse information de ces dernières heures. Jean-Claude Blanc, l'actuel directeur général délégué du Paris Saint-Germain, intègre la Galaxy Ineos. C'est un très gros coup que vient de faire la Jim Ratcliffe, Philippe. Oui, alors là, c'est une vraie prise de guerre de récupérer Jean-Claude Blanc au PSG. Je pense que Jean-Pierre Rivière n'est pas étranger à la venue de Jean-Claude Blanc. Je sais qu'il s'apprécie depuis longtemps. Il devait être en contact étroit également depuis longtemps. Et donc, il viendrait pour porter le projet Ineos Sport, c'est-à-dire les différentes disciplines maîtrisé par Ineos, et puis il y aurait bien sûr une passerelle avec l'OGC Nice, puisque Ineos Sport voudrait s'adosser à un gros club et un grand club de foot français, donc l'OGC Nice. Oui, Jean-Claude Blanc, il connaît le sport, mais il connaît surtout le football, avec ses plus de 10 ans passés au Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, et avant le Paris Saint-Germain, c'était la Juve. À la Juventus. Où il a occupé aussi le poste de président à la Juve, c'est pas rien. C'est, on peut le dire, un monsieur du football. Donc aujourd'hui, l'OGC Nice s'attache vraiment à une personnalité. Alors c'est Ineos, hein, c'est pas complètement l'OGC Nice. C'est pas complètement l'OGC Nice, c'est vrai qu'il va s'attacher, comme l'a dit Philippe, à plusieurs disciplines, mais bon, c'est un monsieur du football, avant tout. Et donc je pense que l'OGC Nice va automatiquement tirer un net bénéfice de cette arrivée-là, quelles que soient ses fonctions. Voilà, il y a un monsieur qui connaît le football dorénavant dans les grandes pentes de l'OGC Nice. Thierry, quelle réputation il a, Jean-Claude Blanc, dans le milieu du football aujourd'hui? Ben, c'est quelqu'un qui, comme vient de dire Will, connaît super bien le football, maîtrise tous les paramètres du foot et a un œil avisé sur tout ce qui est, que ce soit recrutement ou merchandising. Donc c'est pour l'OGC Nice, c'est encore une étage de plus à la fusée. Philippe, il va faire quoi exactement? Parce que CEO Ineos Sport, ouais, c'est un mot un peu vague peut-être, mais concrètement, qu'est-ce qu'il va devoir gérer, Jean-Claude Blanc? C'est vrai que ça paraît un peu illisible quand on met bout à bout de la voile, de la Formule 1, du cyclisme, du rugby, un club de foot. Deux clubs de foot, il ne faut pas oublier Lausanne. Oui. Enfin, moi, je dis un. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va concentrer tout ça et surtout porter ce projet. Ils devraient s'établir tous à Nice. Bon, pas les usines qui devraient rester en Angleterre, mais les centres de performance qui seront tous réunis à Nice, là où est le centre de formation de l'OGC Nice. Ça va être un projet énorme. Très excitant, je pense, pour un homme de la pointure de Jean-Claude Blanc. Et c'est vrai que ça a l'air d'être l'homme parfait pour ce poste. Maintenant, ça nous semble un petit peu pas nébuleux ni lisible, mais c'est vrai que bon, qu'est-ce qu'il va faire dans le foot? Qu'est-ce qu'il va faire? Comment vont s'articuler les sports autour du foot, les passerelles, les il va arriver très vite, donc début janvier il sera en poste, il nous l'expliquera. Est-ce que ça veut dire peut-être aussi, Will, que eh bien, l'arrivée de Jean-Claude Blanc prouve que
Ineos veut mettre le paquet sur le foot, et en particulier parce que pour l'instant, c'est vrai que c'est le serpent de mer, Jim Ratcliffe va-t-il racheter un club anglais ou pas? Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, mettre le paquet sur l'OGC Nice et développer encore plus le foot à Nice. Moi, je pense que ça va dans le sens des dernières déclarations depuis ce début de saison. Ineos a franchi un cap, et puis même dans les discussions du centre de performance qui va être créé à côté, c'est l'étape encore en plus. Alors, outre les infrastructures à Nice, on appelle des gens très compétents pour le football, et aujourd'hui le football dans Ineos, c'est Lausanne, mais c'est surtout l'OGC Nice. Donc c'est des actes qui viennent un peu donner de poids aux propos, et c'est que du positif, il me semble. Alors, en tous les cas, les supporters du Paris Saint-Germain regrettent déjà le départ du directeur général actuel encore, puisque ça sera début janvier. On a pu lire sur les réseaux sociaux qu'il regrettait le départ de Jean-Claude Blanc. On vous en dira évidemment plus au fur et à mesure quand on l'aura rencontré, si on espère, quand on l'aura peut-être sur ce plateau également. Philippe, il va travailler pour ça auprès des instances de l'OGC Nice, et on espère vous en dire plus sur l'arrivée donc de Jean-Claude Blanc, le très gros coup effectué par Ineos de ce début de mercato. On parlera des joueurs dans un deuxième temps. La nouvelle aussi de cette trêve internationale, c'est le maintien de Lucien Favre à la tête de l'OGC Nice. Oui, on l'avait quitté un petit peu chafouin, notre Lulu national, parce que c'est vrai qu'il avait répondu à nos confrères de Prime Video sur sa situation. Il avait un peu quitté le plateau sèchement. Il a été maintenu. Florent Ghisolfi est allé le voir exprès en Suisse. Ouais, je pense que c'était la bonne chose à faire pour un peu étouffer tout ça, parce que je pense que si Lucien était aussi agacé, c'était peut-être parce qu'il n'avait pas toutes les infos lui-même. On parlait peu à un moment donné avec lui, il savait pas trop ce qui se passait. Puis là, voilà, le fait que Ghisolfi aille le voir chez lui en Suisse et le conforte, et qu'il partage un peu leur vision de cette saison et de l'avenir, c'est une très bonne chose. Je pense que Lucien en avait besoin. L'OGC Nice en avait besoin. Des cadres comme Dante avaient fait appel à ce genre de stabilité, c'est chose faite. Donc maintenant, il y a une deuxième partie de saison sur laquelle se projeter avec un cap fixé. On sait qui sera le coach. On va l'écouter justement, Lucien Favre, sur cette rencontre avec Florent Ghisolfi et son maintien à la tête de l'OGC Nice. Il est devant la caméra de Philippe Bertini. J'ai l'expérience, je sais ce que c'est. Des fois, tu as des moments durs dans la carrière. Tout le monde dans sa vie a des moments difficiles comme ça. Et puis c'est tout. Mais c'est pas, on ne peut pas dire que c'est un moment difficile, c'est que du foot. Et puis voilà, maintenant, on est bien revenu. Ça a tenu à peu de choses, il faut bien le dire, tous les matchs. Quand on voit le match de Lorient, quand on voit Lyon, c'était pas mal, etc., etc. Au complet, on est pas mal stable. Depuis qu'on a joué un match à Paris, je crois, où on avait, c'était pas mal, on devait finir 1-1, au minimum. Et depuis là, l'équipe, elle est mieux, elle est plus solide. Elle est plus solide, elle est plus en confiance, etc., etc. Je répète, voilà, on était au complet là, et puis ça, c'était pas mal. Voilà donc Lucien Favre en conférence de presse ce mardi. C'était la meilleure chose à faire, Philippe, de laisser Lucien Favre au moins jusqu'à la fin de la saison, le laisser continuer son travail. Il y avait une bonne dynamique là de l'OGC Nice avant la trêve. Oui, moi je pense que c'était la meilleure des choses à faire, le conforter, l'aider, et puis le laisser en poste, ça allait mieux, et maintenant on va voir ce que ça va donner à la reprise. Mais je pense que Thierry, je pense qu'il sera d'accord avec moi, c'est la chose à faire de le laisser en poste. La stabilité, c'est important, Thierry. Ouais, moi je pense que la stabilité est importante à ce niveau-là, surtout qu'on a déjà connu Lucien auparavant, par le passé, donc il a fait de très bonnes choses à l'OGC Nice. De mettre un cadre et de redéfinir les choses. Et puis, il a eu une équipe à reconstruire, à retravailler. Donc après, comme vous avez si bien dit, en fin de saison, là, il était, enfin, en fin de trêve, avant la trêve, il était en train de reconstruire, et l'équipe avait un peu plus de base solide et était un peu plus dynamique. Donc, il faut qu'il continue, il faut qu'il travaille. Et puis, il a l'avenir
nous dira si c'est la bonne chose ou pas. Alors justement, hein, Florent Ghisolfi est allé le rencontrer, on l'a dit, en Suisse. Il a fixé le cap, hein, Florent Ghisolfi, dans une interview à Nice ce matin. Il n'est pas encore venu sur le plateau de Gymtonic lui aussi, mais on l'a invité, on l'attend de pied ferme. Mais voilà, il a fixé le cap pendant cette trêve. Oui, avec en particulier, on va voir une déclaration autour de Lucien Favre, l'entraîneur de l'OGC Nice, quand il est allé le voir, Florent Ghisolfi. C'est vrai que... il impose au fur et à mesure sa patte, hein, Florent Ghisolfi. Oui, bah, il prend ses marques, il y va doucement. Ce que j'ai bien aimé dans cette interview qui avait été effectuée par Vincent Menichini, à qui on... Que l'on salue, il est en vacances. Qui en utilise de profiter de ses vacances. Ce que j'avais bien aimé dans cette interview, c'est que justement, il était assez contemporain dans ses propos. Il se projetait pas trop en vendant du rêve pour l'année prochaine, il y a dans deux ans, dans trois ans. Il sait où il met les pieds. Il sait où il veut aller et donc il parlait surtout de, voilà, de l'actualité. Aujourd'hui, le club doit faire ça, doit se structurer. Donc je trouvais que c'était très intéressant d'avoir quelqu'un qui, voilà, qui a fait un état des lieux actuel du club et les projections. Et justement, donc à propos de Lucien Favre, on va lire les déclarations de Florent Ghisolfi sur le coach niçois. Il a fixé le cap. On veut construire autour de lui et pallier certains de nos manques décelés. Je me devais de lui communiquer la position du board, notre analyse de la première partie de saison et nos perspectives club. Il avait besoin d'entendre notre soutien. Voilà, c'est ça qui est important aujourd'hui. Tu connais bien évidemment Florent Ghisolfi qui arrive du Racing Club de Lens. Thierry, tu as travaillé évidemment avec lui. C'est quoi la méthode de Ghisolfi ? Ben oui, il l'a très bien analysé. Flo est quelqu'un qui arrive dans un club, qui ne va pas bouger les choses pour faire bouger les choses. Il va d'abord analyser, comprendre, savoir où il doit aller, comment il doit le faire, avec qui il doit le faire. Et à partir de là, quand son analyse est faite, c'est quelqu'un qui va bosser, et qui va mettre tous les wagons bien accrochés, pour après faire que la locomotive puisse tirer tout ça. Donc c'est quelqu'un avec qui, vous voyez les phrases qu'il a dites, aujourd'hui Lucien il peut travailler tranquillement parce que s'il dit qu'il restera jusqu'à la fin de la saison, Flo est quelqu'un de parole, donc il tiendra sa parole et il le fera. Et tout ce qu'il t'a dit, il a très bien analysé avant. Il y a eu du renfort dans le staff, hein, aussi de l'OGC Nice pendant cette trêve internationale avec déjà Didier Digard. Oui. qui arrive en tant qu'adjoint de Lucien Favre. C'est un retour, hein, pour Didier Digard parce qu'il était déjà il y a quelques temps. Dans le staff avec Adrien Urcea, après Patrick Vieira. Oui, Didier Digard était redescendu avec la réserve, il s'occupait des jeunes, il faisait du bon boulot. Et puis en fait, le club s'est un peu aperçu qu'il y avait des manques dans le staff de Lucien Favre, notamment après le départ d'Ariane Pecco. Voilà, il fallait quelqu'un qui soit un peu plus proche des joueurs, un peu plus de leur génération, parce que c'est un jeune entraîneur au final, Didier. Et puis c'est ses compétences aussi qui ont fait que le club a vraiment pensé à lui, parce que chez les jeunes, il arrivait à insuffler quelque chose. Il attise beaucoup de respect chez les jeunes et aussi chez les professionnels. Quand ça se passait un peu moins bien en début de saison, on sait que certains joueurs allaient échanger avec Didier déjà. Donc je pense que c'est juste une chose logique qui se met en place. Et voir Didier Digard dans le vestiaire des pros, c'est encore une très bonne chose pour Lucien Favre et le vestiaire. Philippe, c'est quelque chose qu'on attendait presque, que l'on souhaitait même ici, on en avait évoqué plusieurs fois, faire monter Didier Digard comme ça auprès de Lucien Favre. C'est le parfait trait d'union entre les générations pour toi, Didier Digard ? Oui, moi je pense que c'était ce qu'il fallait faire, peut-être le faire même un peu avant. On a perdu peut-être un petit peu de temps, et puis moi j'oublie pas Fred Joria qui est toujours là, mais qui se faisait opérer. Ouais. Et je pense que Joria, Digard, et puis quelque part c'est marqué aussi, c'est des gars qui ont porté le maillot du club. Qui ont porté le maillot du club, pour moi c'est important. Plutôt que d'avoir des adjoints qui tombent du ciel, quoi. La culture club, Thierry, tu connais ça évidemment par cœur, que ce soit à l'OGC Nice ou au Racing Club de Lens, de clubs à forte identité, c'est obligé presque d'avoir comme ça des anciens qui portent ce projet. Ouais, tout à fait. Et puis bon, Philippe vient de le préciser. Didier est le parfait élément pour mettre la balance entre les anciennes générations et les nouvelles.
C'est quelqu'un qui a une culture football hyper intéressante. Bon, Fred, j'en parlerai pas, c'est mon ami, malheureux, donc je peux pas parler de mes amis parce que je serais pas objectif, mais pareil, Fred, c'est le cœur niçois, quoi. Donc après, le fait de dire que Philippe dise que c'est un peu trop tard, il aurait fallu le faire un peu plus avant, je pense que ça, c'est la démarche de Flo, et que Flo, dès le départ, avant de faire les choses, il a analysé vraiment, il n'a pas écouté, il a voulu voir par lui-même. Donc c'est peut-être pour ça que Didier arrive maintenant. Mmh. Alors, autre arrivée au sein de l'OGC Nice, et au sein pour renforcer le staff, c'est Guylain Dubois et Sébastien Sanny. On les connaît un petit peu moins, ces deux personnes, ils vont avoir un rôle très important aussi. On les connaît un peu moins, mais je pense que Thierry va nous en dire un peu plus. Mais voilà, ce sont deux hommes de la performance, de la préparation physique, musculation. Donc voilà, c'est encore une fois des compétences qu'on ajoute au staff de l'OGC Nice. Donc que du positif. Mmh. Bah, alors, ouais, moi ça n'y est. Bon, j'ai connu à travers Julien Sablé, ouais. Puisque ils se sont connus à Saint-Étienne. Il était venu intervenir sur notre formateur à Clairefontaine. Donc après, bon, j'avais ressenti quelqu'un de compétent, mais je connais pas spécialement. Ouais. Par contre, Gis Dubois, j'ai travaillé pendant 30 mois avec lui. Je peux vous dire que l'OGC Nice a fait une belle pioche. À notre détriment, malheureusement. Ouais, qu'est-ce qu'ils en disent à Lens, là, justement, de tous ces débauchages du côté de l'OGC Nice? Moi, je pense qu'on n'en dit pas grand-chose. Le club a pallié à tout ça, a fait monter des gens en interne, a fait venir Benoît de Laval, qui était un proche de ce qu'on travaillait, ce que faisait faire Laurent. Le coach Hez a pris beaucoup plus de fonctions en devenant manager général. Donc, Grégory Thiel est toujours là. Greg est là. Samir est revenu. Ouais. Chama, qui était parti pour Auxerre, qui est revenu. Donc, ils étaient un peu les hommes de Flo. Donc, le travail va continuer. Il n'y a que les hommes qui changent. Mais moi, comme je dis toujours, l'institution est plus forte que tout ce qu'il y a. Donc, on va continuer à avancer, à travailler. Mmh. Philippe, c'est vrai qu'on a l'impression quand même que là, l'OGC Nice avait perdu un peu de temps, peut-être au début, comme tu le disais tout à l'heure, mais que là, le train accélère, quoi, au niveau du staff, au niveau de l'encadrement. C'est vrai que quand Julien Fournier est parti, il y a eu quand même un gros moment de flottement, qui fait que aussi il y a eu ce flou et ces résultats un petit peu décevants. Maintenant, ça a l'air, tout a l'air d'être en place, bonne pioche sur bonne pioche. C'est super, hein, mais c'est pas le staff qui met les buts, quoi. Non, ça il faudra évidemment. Bon, ça c'est juste une petite. Non, mais tu as raison. C'est juste une petite parenthèse. Hein. Tu as raison, c'est pas Jean-Claude Blanc qui mettra les buts et qui qualifiera l'OGC Nice en Ligue des Champions, ça c'est certain. Mais bon, ça montre une structuration quand même assez sérieuse du côté des Niçois. Il faut ajouter, parce que ça ne concerne pas l'équipe première, mais voilà, puisque Thierry en parlait, Julien Sablé qui arrive au centre de formation. Encore une fois, dans la même logique, un ancien du club qui connaît l'identité niçoise. Après, en place Didier Digard. Voilà, après les Cédric Varro, Marama Vaiurua. Jérémy Pied aussi, qui est revenu au club avec la réserve. Ah ben ça, c'est une info, mon cher Will. Eh oui, Jérémy Pied s'entraîne avec la réserve de l'OGC Nice depuis quelques mois maintenant. Qui était avec nous sur le plateau il n'y a pas si longtemps. Et pourrait filer un coup de main en cours d'année peut-être aussi à cette réserve. Oui, parce qu'un petit arrière-droit, vu les blessures de Lautomba et Attad récurrentes. Donc, comme l'a dit Philippe tout à l'heure, moi j'aime beaucoup cette mémoire club. Voilà, les gens qui sont passés par le club, qui connaissent l'identité, les valeurs du club. C'est très bon pour l'avenir. On s'appuie sur le passé pour regarder devant. Alors, un joueur qui a l'identité club, on ne peut pas le nier, c'est Andy Delors. Pourtant, il s'interroge, Andy Delors, parce que c'est vrai qu'il a un peu moins joué, un peu moins en réussite. On lui a peut-être promis des choses aussi, William. Et c'est vrai que bien on se dit, c'était un papier qui était dans Nice Matin, que tu as co-signé avec Vincent, on se dit qu'Andy Delors pourrait quitter l'OGC Nice. Oui. Alors, avec Vincent, on avait récolté quelques infos qui, depuis... sont un peu contredites, donc on ne sait pas trop. Bon, aujourd'hui, ce n'est plus Jean-Pierre Rivert qui aurait eu des promesses envers Andy Delors. Peut-être plus Julien Fournier ? Non, plutôt du Dave Braceford. D'accord. Voilà, plutôt du côté de Ineos. Donc, en tout cas, c'est ce qui est sûr, c'est qu'Andy s'attendait à une revalorisation après sa très grosse première saison. C'est ce qu'on lui avait laissé entendre, une construction d'une équipe autour de lui, vraiment le socle du projet. Et puis, au final, ben voilà, il y a eu cet été un peu mouvementé, le départ déjà de Christophe Galtier, auquel il était très attaché, auquel il ne s'attendait pas du tout. Et on rappelle que l'agent d'Andy Delors, c'est le fils de Christophe Galtier. De Christophe Galtier. Donc,
donc ça c'est vrai que ça c'était un peu un dérangeant pour lui, mais arrivé Lucien Favre, et puis au final, bon, bah, avec Lucien Favre, c'est pas non plus un coach avec lequel il a beaucoup d'affinités dans le jeu qu'il propose, et aussi dans le discours, voilà, on voit la différence de suite entre un Christophe Galtier et un Lucien Favre dans le comportement, dans le vestiaire, dans les causeries, donc ça Andy, ça l'a un peu perturbé, le début de saison difficile, et puis voilà, aujourd'hui, ben, Andy, en fait, il se pose des questions, il n'a pas eu les promesses tenues, donc ben, il sait qu'il a un profil qui peut plaire, donc son entourage travaille pour ça, il le propose un peu partout, et c'est possible qu'Andy s'en aille. Alors on va cadrer le débat, évidemment, autour d'Andy Delors, parce que c'est un joueur très important de l'OGC Nice, et c'est notre pour-contre de cette semaine. Andy Delors doit-il quitter l'OGC Nice? Je te laisse la parole, Philippe, tu n'es pas un habitué du pour-contre, tu es là plus pour donner les points, toi, voilà. Mais là, il va falloir défendre le beefsteak. La question, c'est quoi? Andy Delors, ça commence bien. Andy Delors doit-il partir? Alors la réponse est non. La réponse est non. Alors je peux comprendre la colère d'Andy Delors, son incompréhension sur le fait qu'on lui a promis des choses qui n'ont pas été tenues, ça je comprends. Je peux comprendre sa déception d'avoir vu partir Christophe Galtier et puis de ne pas être en phase 100% avec Lucien Favre. Ok, je comprends tout ça. Maintenant, pour moi, les portes sont fermées, quoi. C'est-à-dire que ce n'est pas un joueur qui décide « voilà, je m'en vais voilà. ». Je vais me contredire un peu. Moi, j'aime pas garder les joueurs qui veulent pas, oui. qui veulent pas rester. Mais c'est pas lui qui doit décider. C'est-à-dire la porte, elle s'ouvre si le club décide. Le club est au-dessus des joueurs, pour moi, que ça soit Nice ou les autres. Un club doit être toujours au-dessus des joueurs. Donc déjà, c'est pas à lui à décider s'il veut partir. Et puis moi, pour moi, c'est non parce que Andy Delors, ça a quand même été l'homme fort du gym pendant de longs mois. Celui qui s'est toujours battu pour le club, qui a mis des buts importants, qui a toujours été au rendez-vous. Les gens l'adorent. C'est un mec simple, sain. Je vois pas pourquoi il partirait maintenant. C'est-à-dire, moi, la board est arrivée. Il est arrivé pour jouer avec Delors. Bon, ils jouent pas ensemble. Mais il m'a pas fait oublier la bonne période de Delors. Donc Delors ne doit pas partir. Will, c'est à toi. Tu m'as surpris en disant que tu ouvrais la porte. Parce qu'on l'aime plutôt. Parce que j'étais surpris parce que j'abonde dans beaucoup de choses de ce que dit Philippe. J'ai beaucoup aimé la première saison d'Andy Delors. M'a même surpris, je dois l'avouer. Mais en fait, c'est pourquoi aujourd'hui ? Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus Andy Delors de Galtier. Aujourd'hui, c'est Andy Delors sous Lucien Favre. Et Andy Delors avec Lucien Favre, c'est pas le jeu qu'il affectionne. Ça ne passe pas vraiment au niveau football entre les deux hommes. L'association avec Laborde qui ne vient pas, tu en as parlé justement, ça le chagrine à Andy. Et Lucien n'est pas parti pour les associer. Donc moi je suis dans le sens où garder quelqu'un qui n'a plus envie d'être là, ça, c'est là où je ne suis pas trop pour. J'adorais le Andy de Galtier, mais le Andy de Lucien Favre depuis le début de saison, il ne me convainc pas autant. Il y a eu quelques éclats, son ciseau à Ajaccio, quelques pénaltys, mais c'est pas non plus l'Andy Delors de la première saison. Donc je pense pas qu'on va retrouver l'Andy Delors de la première saison, surtout s'il se pose de telles questions à ce moment-là de la saison. Donc Andy, il a 31 ans, il a découvert l'Europe à seulement 31 ans, il a découvert la sélection internationale à seulement 29-28, il a plus le temps, il a envie de jouer plus haut, il a envie d'aller se faire de prendre un dernier beau contrat. Il faut le laisser aller le prendre, ce dernier beau contrat. Puisque l'OGC Nice n'est pas prêt à lui donner plus, ce que je peux entendre aussi, et ben alors il faut le laisser aller prendre son dernier beau contrat. Donc je pense qu'en fait, il ne faut pas retenir Andy s'il n'a plus envie d'être là. Thierry, je vais m'adresser aux supporters de l'OGC Nice, que tu restes malgré tout, même si tu travailles aujourd'hui au Racing Club de Lens. Voir partir Andy Delors déjà, qu'est-ce que ça ferait? Donc déjà, je ne suis pas supporter, moi je suis niçois, ouais, je suis un vrai niçois. Donc, oui, tu es mieux qu'un supporter, voilà, tu es carrément niçois. Moi je suis carrément niçois, je suis né ici, j'ai vécu jusqu'à 51 ans ici, 52 même, donc ça fait 5 ans que je suis dans le Nord, avant je ne connaissais pas. Donc moi en tant que pro football, je ne connais pas très bien Andy au niveau de son caractère ou ce qu'il en est. J'ai entendu parler, donc les « on m'a dit, on a fait », je laisse de côté, je préfère faire mon analyse moi-même. Je pense que c'est quelqu'un qui marche à l'affect. Donc j'abonde dans les deux sens là. À un moment donné, c'est quelqu'un qui… Moi je pense qu'il doit rester à l'OGC Nice parce que l'OGC Nice en a besoin. Et en même temps, si ça ne matche pas avec Lucien, ben… À un moment donné, on ne va pas trouver le joueur qui a fait vivre et vibrer l'OGC l'année dernière. Donc, il faut laisser partir.
Après, on connaît tous le mercato et le petit jeu du mercato. Oui, je vais la poser directement, cette question. N'est-ce pas un petit jeu d'agent ? On parlait tout à l'heure que le fils Galtier de Christophe Galtier est l'agent d'Andy Delors. Est-ce qu'il n'y a pas une petite manœuvre d'agent, là, pour essayer de la faire à l'envers, quoi ? C'est évident. Sans vouloir la faire à l'envers, c'est évident que c'est un peu le jeu de la menace. Je propose un peu mon joueur à droite à gauche pour montrer au club auquel il appartient que certains rivaux seraient bien contents d'accueillir Andy. Donc... En particulier Marseille, Lens peut-être ? Lens peut-être. Aucune info là-dessus. On l'aime bien du côté de Lens en tout cas. En tout cas voilà, et c'est un peu cette petite menace qui peut peser sur l'OGC Nice. Mais je pense pas qu'aujourd'hui l'OGC Nice, avec le projet qui se met en route, va tomber dans le jeu de la menace pour un attaquant, un avant-centre de 31 ans. C'est un bon joueur Andy, c'est super ce qu'il fait à l'OGC Nice, mais aujourd'hui dans le projet Ineos, je pense pas que ça soit la tête de ponte chez Ineos. Donc si départ il y a d'Andy Delors, ce sera regrettable pour ce qu'il a fait, mais ce sera pas une catastrophe pour Ineos. Bah, c'est vrai que c'est quand on prend Jean-Claude Blanc au PSG, normalement au niveau attaquant on vise autre chose qu'Andy Delors. Ouais, mais ça n'a rien à voir. Mais ça, c'est pour demain. Ouais. Mais aujourd'hui, là, on parle des 6 mois qui arrivent. Aujourd'hui, quoi. Je laisse Quand Delors part Pourquoi à la fin en de la plus, saison. Il va partir à Lens, à Marseille, chez un concurrent, oui. quoi, quelque part. Mm. Et puis, il faudrait qu'on refasse le plateau de Gym Tonic, en plus, notre décor. Ah. Si Andy Delors devait partir, on a échappé belle avec Lulu. Ouais. Mais... Non, mais il y a d'autres malheurs, en fait. Hein. Moi, je trouve qu'il y a bien d'autres gars à qui on devrait non seulement ouvrir la porte, mais les accompagner à l'aéroport. Tu penses à qui, vas-y? Ouais, je pense à des Britanniques, quoi. Ouais, sur Hansen, par exemple. Par contre, Andy Delors, non, ouais. je... Mais je partage ton avis, mon cher Philippe. Je suis contre un départ d'Andy Delors. De toute façon, excuse-moi, oui. Non, je t'en prie. Je pense que si jamais, maintenant, à l'instant T, tu perds Andy, tu perds gros, quoi. Parce qu'aller trouver un attaquant, quand même, de son envergure en Ligue 1, c'est pas évident. Tu c'est peux ça, avoir, le problème. L'argent que tu veux, ou les connaissances que tu veux, ou qui tu veux, tu vas trouver quelqu'un qui sera en mal de temps de jeu ailleurs. Donc voilà, quoi. Andy, aujourd'hui, s'est intégré à la vie niçoise. Ça, puis les autres attaquants, ils ne marquent pas beaucoup de buts. Hein. Non, la Borde est assez malchanceux. Il tape pas mal les poteaux, mais bon, même si ça commence à venir. Donc il faudrait aller... Et on en parlera tout à l'heure, mais l'OGC Nice veut un attaquant en plus, hein, déjà. Donc il faudrait aller chercher deux attaquants si tu perdais Andy Delors. Ça fait quand même beaucoup sur le marché. Voilà ce qu'on pouvait dire autour du dossier Andy Delors. On va évidemment suivre ça avec une grande attention. Si ça démarre un feuilleton, bah, on vous fera vivre évidemment ce feuilleton autour d'Andy Delors. On a évoqué le mercato. C'est l'indiscret de la semaine. On va ouvrir cette page mercato avec un joueur approché par l'OGC Nice, un ancien d'Angers, mon cher Will. Ryan Ait Nouri, un ancien d'Angers qui est aujourd'hui à Wolverhampton, latéral gauche, qui est vraiment... Il y a deux postes qui sont vraiment ciblés cet été pour les dirigeants niçois. Un défenseur latéral gauche et un attaquant. Ensuite, selon les départs, ça pourra évoluer. Mais Ait Nouri, donc le club a formulé une offre qui on n'a pas vraiment le montant, mais voilà, bon, c'est pour l'instant jugé insuffisant. Voilà, cette offre, ouais. ça capote pour l'instant. Wolverhampton réclame plus, mais voilà, oui, c'est un jeune joueur, encore une fois, qui connaît la Ligue 1, un profil technique, donc qui rentre dans les clous de ce que désire l'OGC Nice. Tu l'as observé déjà, Ait Nouri? Tu m'as joué contre l'année dernière. Ouais, c'est voilà. Bon joueur. C'est un évidemment. Bon joueur. Ouais. Bon joueur. Ouais. Après, est-ce qu'il aura la mentalité pour s'intégrer à l'OGC Nice ? C'est aussi ça, parce que c'est ça aussi que recherche hein, Florent Ghisolfi. C'est cette mentalité, c'est le profil des joueurs. Il l'a dit dans les colonies ce matin, un joueur qui a le profil pour jouer à Lens n'a pas forcément le profil pour jouer à Nice. Tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, ayant vécu des deux... Enfin, vivant d'un côté et ayant vécu de l'autre, les choses ne sont pas les mêmes, les identités ne sont pas les mêmes, même si c'est des clubs à forte identité. À Lens, il y a plutôt un côté de labeur, de travailleur, de gens qui sont dans la grisaille, dans le travail ou quoi que ce soit. Ici, qu'on le veuille ou non, comme je t'ai dit tout à l'heure, être né ici, quand tu arrives ici, que tu as le soleil, la mer et tout ça, c'est beaucoup plus difficile, même si tu as une mentalité exceptionnelle. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui rentrent en compte, qui ne sont pas adaptées et qui ne peuvent pas être adaptables à n'importe quel joueur. C'est comme quelqu'un qui va aller jouer à Marseille. On ne peut pas être un joueur adapté à Marseille. Et aller à Lens, c'est beaucoup plus compliqué. C'est dur à faire. Après, c'est pas... C'est,
c'est pas impossible. Même si la ferveur du public peut parfois se rapprocher entre les deux clubs. Ouais, mais alors là, je vais pas me faire un nom, là, je vais pas me faire que des amis. Et je pense qu'aujourd'hui, l'OGC Nice a une forte identité grâce à, même si on n'aime pas, mais grâce à la BSN, donc bien la Populaire sûr. Sud. À son public. Voilà, grâce à ce public-là qui est toujours là, qui a toujours été ici. Moi, je les ai connus quand c'était la galère au Stade du Ré, quand on jouait en Ligue 2 et qui venaient supporter contre vents et marées. Et cette frange de supporters, elle est là, mais quand tu vas de l'autre côté, c'est pas 8000 ou 9000, c'est 40000. Et oui. Et ça fait plus de bruit. Et quand tu rentres à Bollard, crois-moi que ça fait. Non, puis t'as moins de difficultés à remplir le stade. Ah, ben ouais. T'as beaucoup moins. Alors, il y a des gens qui te disent, il n'y a que ça là-bas. Ouais, ils n'ont pas tort. Il y a peut-être que ça là-bas. Mais tu fais un match de Ligue 2 contre Chambly un 4 décembre avec moins de 3 degrés, il y a 30 000 supporters. Quoi. Il y a une passion, évidemment, que l'on retrouve aussi ici à Nice, mais avec peut-être moins de monde. Il y a un dossier qui va être aussi un peu l'épine dans le pied de ce mercato niçois, c'est Aaron Ramsey, mon cher Will. Il a disparu, mais où est donc passé Aaron Ramsey? Aaron Ramsey, je pense qu'il est chez lui au Pays de Galles. À manger de la rate de mouton. Et à faire un peu le bilan de sa carrière, j'ai l'impression, parce que voilà. Il est pas bien, quoi. La Coupe du Monde, donc là, ce sont les propos de Lucien Favre ce matin en conférence de presse. La Coupe du Monde, il a du mal à la digérer. C'est un échec pour son pays et apparemment personnel aussi. Et donc, mais ils espéraient être champions du monde, le Pays de Galles. Je pense qu'ils espéraient du moins sortir des poules. Ouais. Puis ils en prennent 3 contre l'Angleterre. Donc ils ont pas fait une grosse prestation. Lui, je pense qu'il a pas fait un grand mondial non plus et qu'au pays, il a pas dû être adoubé non plus. Donc voilà, il se pose des questions et Philippe, un peu plus d'informations aussi, peut-être. On va le revoir, Ron Ramsey. Pas sûr. Hein. Pas sûr. Ouais. Pas beaucoup d'infos, mais déjà un sentiment, c'est que en fait entre Ramsey et le gym, ça n'a jamais vraiment été une histoire d'amour folle, quoi. Ouais, donc, déjà, on se souvient qui le fait venir. Hein. C'est Dave Brailsford qui le fait venir. Je pense qu'il est pas super bien dans ce club. Et que voilà, il se pose des questions et qu'on n'est pas sûr de le revoir. Mais bon, il nous a pas non plus montré qu'il était indispensable. Voilà, on va pas lui envoyer 10 000 supporters pour aller le chercher. Non, mais en tout cas, Lucien Favre, lui, il aimerait bien le revoir revenir. Oui, parce que du coup, il manque de solutions au milieu de terrain. Limina est blessé. Il l'a quand même utilisé sur cette première partie de saison. Il a été blessé pendant un certain temps, mais quand il était dispo, Lucien Favre l'a fait jouer, l'a fait rentrer en cours de match, encore à Lyon, dans la gestion, un peu dans la maîtrise technique. Il lui a bien fait préparer sa Coupe du Monde, quoi, au final. Il aime beaucoup le registre technique de ce joueur. Alors, non, mais il devrait y avoir un retour des choses. Aaron Ramsey, on lui a bien fait préparer sa Coupe du Monde. C'est un bon joueur, quand même. C'est un bon joueur de foot, le mec. Il a joué à Arsenal, c'est un vrai joueur. Un Juve. Mais bon, ici, il nous a montré des miettes, quoi. Quand un joueur n'y est pas dans la tête, Thierry, est-ce que c'est difficile de le faire revenir? Pour moi, oui. Ouais. C'est-à-dire, on en revenait tout à l'heure à le contexte de la vie. Si à un moment donné, tu n'arrives pas à te faire ici, c'est vraiment... Il faut que tu ailles chercher ailleurs, quoi, parce que ici, quand même... Il préfère c'est pour vivre peut-être que lui, la grisaille galloise ou le soleil azurien. Il a tout ciblé sur la Coupe du Monde et que là, il y a une espèce de... Oui, enfin bon, voilà, Kylian Mbappé aussi. Kylian Mbappé a tous misé sur la Coupe du Monde. Deux jours après, il était de retour à l'entraînement. Tu vois ce que je veux dire. Il a 24 ans, Mbappé. Ouais. Il a toute la carrière devant lui. Et puis bon, il fait finaliste de la Coupe du Monde. Voilà, Ramsey, je pense qu'il est au bout de sa fin de carrière. Et je pense que... Si vraiment il espérait mieux de ce mondial-là, eh ben il a pris un coup sur la casquette et peut-être qu'il se pose les questions. Je raccroche les crampons, je raccroche pas. Est-ce que je reste jouer au pays Il ira jouer au golf à Gareth Bale. Ouais, mais moi après c'est des. Je garde quand même beaucoup de respect pour la carrière de ce joueur. Je pense qu'il a passé plus de 10 ans à Arsenal. Il a été à la Juve, il a voyagé. Si à son âge il a envie de se poser la question, est-ce que j'arrête ou pas, c'est tout à fait légitime. Et voilà, faut respecter. Je jetterai pas la pierre s'il a arrêté sa carrière là, quoi. Après, il faudra pas commettre non plus sa photo, son buste et une statue à l'OGC Nice, quoi. Parce qu'il est déjà sur l'affiche du match Nice-Lens, notre cher Aaron Ramsey, alors que bon, on l'a pas vu depuis 3 semaines. Il y a des joueurs passés à l'OGC Nice comme Dominique Baratelli qui ont fait le club et qui devraient être en photo, en statue, en machin. On va pas parler pendant 3 semaines. Mais tu sais que c'est une très bonne idée, ça, mon cher Philippe. On va lancer l'idée de mettre, comme devant l'Emirates Stadium,
des statues, des illustres niçois devant l'Alliance Riviera. Voilà, oui, il aura sa statue. On commencerait par, évidemment... On commencerait par Dominique Baratelli, évidemment. La première statue. Ah ben ça, écoute... Hein, Thierry, tu peux nous en parler. Je pense que Philippe a raison, quoi. C'est avant tout, c'est un monsieur avec un grand M. C'est quelqu'un qui a une vie hors football exceptionnelle, avec qui tu peux toujours discuter, qui a eu beaucoup d'humilité par rapport à tout ce qu'il a pu vivre, dont à la Coupe du Monde, dont je ne parlerai pas, avec un petit problème avec Jean-Luc Ettori et Kurkovic. Mais c'est le monsieur qui m'a mis le pied à l'étrier, c'est le monsieur qui m'a tout appris au niveau de l'entraînement des gardiens. C'est un monsieur que j'ai eu à Cagnes-sur-Mer en tant qu'entraîneur, qui a pris ce club de Cagnes-sur-Mer. Il a fait monter en 3e division depuis, le club rampe pour retrouver ce niveau-là. Pour moi, c'était la personne à qui je voulais ressembler. Donc, la première statue à mettre devant l'Alliance. Et c'est l'homme qui a vu Loris. l'homme qui a vu Loris. Eh oui. Exactement. Et puis ce jour-là, il me le dit. Il me dit, putain, j'ai vu un petit, écoute-moi bien, il sait tout faire. Quand il jouait au Cédac de Cimiez. Ouais. Avec Régis Brunoton. Voilà, il est venu faire un essai à Nice. Et c'était Dominique qui l'avait pris. Enfin, c'était Didier Vesky qui l'avait pris dès le départ. Parce qu'il était chez tout petit. Et Dominique était là, il regardait. Dominique est rentré. Puis moi, j'étais un peu plus haut. Il me dit, viens voir, il y a un petit là. Il sait se déplacer à une vitesse que... Donc, il avait déjà vu. Parce que, tu sais, quand tout le monde te dit, on a formé, non, on forme personne. Par contre, lui, il avait vu. On va en parler tout à l'heure du Golioris avec toi, évidemment, Thierry, parce que tu l'as aussi très bien connu. On finit sur la page Mercato. Oui, tu l'as dit, donc, les postes ciblés, un arrière-gauche, un attaquant. Quoi d'autre? Et après, ça dépend de ce qui va partir. Je pense que des joueurs comme Schneiderlin, Lucas Dacunha ne seront pas retenus, puisqu'ils ne jouent pas. Et Sorensen non plus. Sorensen qui ne donne pas satisfaction, qui n'a pas joué une seule minute de jeu. Et ben, ils aimeraient lui trouver une porte de sortie. Et du coup, à ce moment-là, peut-être qu'un défenseur central droitier de complément pourrait arriver. Alors, aussi. On parlait d'Aït Nouri tout à l'heure comme piste au poste d'arrière-gauche. Parisi, c'est toujours d'actualité, Fabio Parisi ? Parisi, je pense que ça devient de moins en moins d'actualité pour les exigences financières de Empoli. Parce qu'ils ont déjà vendu. Qui était déjà très forte cet été. Et ils ont prolongé Parisi quelques semaines après avoir vendu Viti. Donc ils ont oublié d'être fous. Et donc aujourd'hui le prix est vu à la hausse. En plus il fait des bonnes performances avec Empoli en Serie A. Donc voilà, je pense que Parisi c'est un dossier qui doucement se referme. Et au niveau de l'attaquant, ça serait plus quoi? Un attaquant de pointe, un attaquant de complément, profondeur? C'est le profil qui manque aujourd'hui à l'OGC Nice, que ce soit Andy Delors ou Laborde, ce sont deux joueurs qui se ressemblent, pas exactement les mêmes, mais qui se ressemblent, et voilà, et Lucien espère depuis déjà longtemps, on l'avait vu avec Bamba Dieng, c'était ce genre de joueur qui prend la profondeur, qui déstabilise un peu les défenses, qui étire le bloc, voilà, un joueur comme ça, qui, de ce registre-là, qui serait utile. Voilà. Toko, quoi. Un Toko, mais avec 30-40 ans de moins. Toko. Et on a des pistes, pas un encore Un Daniel là, Sanchez ou un Toko sur les attaquants? Non. Là-dessus, pour l'instant, ça travaille. Par contre, à chaque fois, il te met dans les années 70-80. Philippe, il se rappelle que de ça. C'est monsieur nostalgie. Tu verras avec le Souviens-toi tout à l'heure. Bah, d'ailleurs, tu seras au centre de ce Souviens-toi. J'ai vu qu'ils étaient éventuellement intéressés par Ludovic Blast. Est-ce que tu peux nous en dire... Je t'en parlerai en hors émission. Le Canari. Oui, le Canari. Ça fait partie des joueurs qui manquent à l'OGC Nice. Je me rappelle de Claude Puel qui était venu et qui l'avait dit. Il manque un joueur créatif à l'OGC Nice au milieu de terrain, et Ludovic Blas rentre dans ce cadre-là. Voilà ce que l'on peut dire pour l'instant sur cette page Mercato du côté de l'OGC Nice. Il va être agité le Mercato lensois, Thierry, vous avez des besoins? Je pense pas. Franchement, je peux pas me permettre de parler de choses que je ne connais pas parfaitement. L'équipe tourne bien, quand même. Il y a une équipe qui tourne bien. Ouais. Maintenant... Il y a Franck qui saura faire ce qu'il si doit faire. Si vous ne savez pas quoi faire de Seko Fofana, on peut l'accueillir avec plaisir. Je pense qu'à l'heure actuelle, Seko, il est bien chez nous. Ouais, mais il serait pas mal sur la Côte d'Azur. Je crois qu'il serait pas mal de partout, quand même. Ouais, c'est un super joueur. C'est un super joueur. Le PSG, hein, c'est ça. Hein, Lens, ouais. 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 Il se déplace à Nice. On a deux matchs qui vont peut-être un peu voir si... Oui.
Oui, tu as raison. C'est deux matchs où, si jamais tu les abordes bien, déjà tu peux plus te cacher, mais alors là tu te cacheras encore moins. Ouais. Parce que si là, tu fais, veux dire, on vise la Ligue des Champions, quoi. Bah, si tu fais un résultat contre Nice où tu gagnes ou tu fais nul, et où tu gagnes ou tu fais nul contre Paris, enfin si tu prends 4 points sur 6, tu pourras dire quoi, ça aura fait 31 journées, tu auras perdu un match en 31 journées en comptant l'année dernière. Donc tu peux plus te cacher, tu peux plus dire non, oui, même si tu pourras avoir des, tu peux avoir des trous après, mais. Mais on ne pourra pas se cacher. Mais après, tu as quand même Strasbourg au Serre derrière. On va attaquer. On reviendra tout à l'heure sur cette équipe du Racing Club de Lens. Bien sûr, le prochain adversaire de l'OGC Nice. Avant cela, un petit bilan de la trêve internationale et surtout des matchs de préparation de l'OGC Nice. On va voir le tableau des résultats de ces matchs de préparation, avec en particulier cette victoire contre Liège, le Standard de Liège 4-1. La défaite lourde à domicile face à l'Atalanta de Bergame. C'était à l'Alliance Riviera. Le match nul plutôt encourageant face à Tottenham, c'est le dernier match en date. Il y a aussi un petit match amical face à Gérone à Marbella lors du stage à Marbella. Qu'est-ce qu'on peut en dire, mon cher Will, de ces matchs amicaux? On peut en dire que Lucifer en était plutôt satisfait. On peut en dire que sur le dernier match à Tottenham, on a retrouvé un système différent de celui qui est, dans lequel a fini la saison l'OGC Nice, enfin la première partie de saison. Donc on a retrouvé une défense à 3, c'est avec Rosario, ce qui était plutôt intéressant, ce qui pourrait donner des idées pour la réception de Lens. On en parlera dans la compo probable tout à l'heure. Mais oui, voilà, plutôt intéressant. Et on va écouter ce qu'a dit Dante, le capitaine de l'OGC Nice, à propos justement de ces matchs de préparation. À part le match contre... Même le match contre Atalanta, il y a eu des choses intéressantes. Je pense qu'il a manqué un peu de rigueur, surtout défensivement. Mais après, les autres matchs, c'était très intéressant. On avait vu pas que 11 jours. On avait vu 20, 22. On a eu des belles surprises. Donc voilà, c'était très positif. Et j'espère que... Que jeudi, on soit tous là et que vraiment on mette toute notre énergie pour faire un grand match. Voilà, des belles surprises du côté de l'OGC Nice pendant ces matchs de préparation, en particulier le jeune Boanani, Will. Le petit Boanani qui a fait belle impression. Alors, il avait déjà montré de belles choses en prépa estivale, donc on va le rappeler que c'est un garçon que l'OGC Nice est allé chercher à Lille, et donc il a signé son premier contrat pro à l'OGC Nice et non à Lille. Il était plutôt attendu donc pour la saison prochaine, tranquillement, et en fait le petit jeune, il montre des choses intéressantes. Didier Digard le trouve déjà très intéressant avec la réserve. Et là, pendant la deuxième prépa de cette année, c'est Florent Ghisolfi aussi qui a remarqué des choses très intéressantes chez ce petit gamin. Et je pense qu'il va doucement, vraiment rentrer dans l'effectif et peut-être se faire un petit peu de temps de jeu. Sans oublier Antoine Mendy qui a été buteur face à Tottenham et qui a eu un match un peu plus compliqué. Oui, Antoine Mendy, on en a parlé déjà en première partie de saison, ouais, c'est le petit jeune vraiment qui avait beaucoup plu à Lucien Favre. Il a eu du temps de jeu à Tottenham et ça a été très laborieux pendant toute la première mi-temps. Quelques erreurs et puis finalement il se retrouve un peu heureux parce qu'il marque. C'est un petit clin d'œil, mais voilà, le jeune, on a vu qu'avec ces jeunes joueurs, voilà, il y a toujours encore des petites erreurs à faire pour que vraiment la progression se fasse. On se souvient du pénalty qu'il avait failli provoquer oui, juste avant la trêve. Ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, Lucien Favre, on dit beaucoup de bien d'Antoine Mendy. Il aime beaucoup. L'entraîneur, mais il y en a d'autres. Niçois, il y en a d'autres. Mais... Et le petit jeune Naounou qui s'entraîne aussi en défense centrale qui montre de belles qualités. Ben Aliane au milieu de terrain aussi, qui sera un gamin sur lequel le club veut compter. Boanani, voilà. Bonne santé. Il y a de la réserve du côté de l'OGC Nice. Tu connais évidemment par cœur la formation et ces jeunes de l'OGC Nice. Tu as remporté la Coupe Gambardella avec ces jeunes à l'époque en tant qu'entraîneur de l'équipe du centre de formation, de l'équipe de jeunes, avec Manu Pires. Et Guy Mengual. C'est important. Quelle place aujourd'hui dans un projet comme l'OGC Nice ou comme le Racing Club de Lens, d'ailleurs, quelle place a la formation aujourd'hui dans ces clubs? L'OGC Nice aujourd'hui, je ne pourrais pas me permettre d'en parler parce que je vois un peu moins de jeunes. On l'a un peu négligé par un moment. Je ne pourrais pas dire négligé. Ça fait 5 ans que je suis parti, donc je ne peux pas me permettre de dire négligé. Je pense qu'à un moment donné, avant, on n'a pas voulu trop s'appuyer sur les bases des jeunes. Alors qu'il y avait des jeunes en devenir qui aujourd'hui jouent pour certains dans des grands clubs européens et pas mal en première ligue.
comme Yelmopé, comme Saïd Benrahma, Olivier Boscaglia, Bev Zendhoven, Pero Southampton. Donc, j'en passe. À Lens, moi, je pense qu'aujourd'hui, le club a restructuré et a remis la formation au goût du jour. Il y était déjà, mais encore plus maintenant. Parce que je pense que pour un club comme Lens, ce qui peut être viable, c'est que d'avoir 14-15 vraiment professionnels, ce qu'on peut dire de vrais professionnels, des mecs aguerris qui ont joué en Ligue 1, et après de faire la continuité de son banc, les 16, 17, 18, 19, 20, 21, moi jusqu'à 22, avec des joueurs issus du centre de formation qui peuvent pallier, jouer un petit peu en réserve et jouer un petit peu, montrer le bout de leur nez dans l'équipe une. Mais je pense que c'est viable, ça peut être que viable comme ça, quoi. Mmh. Après, Lens n'est pas quand même sur le même budget qu'aujourd'hui à Nice. Mmh. Moi, j'ai l'impression de ce que je vis à Lens, c'est ce que j'avais vécu à l'OGC Nice à un moment donné, entre la transaction entre Gilbert Stelardo et Chen Li. Et puis après, bon, Chen Li, bon, moi, je n'ai pas connu Ineos. Mmh. Mais voilà, donc des clubs qui commencent à grandir, Avec Claude Puel comme entraîneur, quoi, cette période-là, quoi. Ah ouais. Ouais, voilà. C'est avec une personne qui a toujours sorti, alors je sais que là aussi, je ne vais pas me faire que des amis concernant Claude, à part le problème avec ses enfants. Aujourd'hui, ça a été la personne à l'OGC Nice, en tout cas, tant que moi j'y étais, qui a fait sortir des jeunes et où le club était en bonne santé. Mmh. Parce qu'il s'est permis de faire jouer des joueurs qui, à un moment donné, même nous, à la formation, on disait, bon, c'est pas possible de mettre un joueur comme ça, quoi. Moi, j'ai une anecdote. Franck Honora joue avec moi en 19 ans. Il le voit et la semaine d'après, il le fait partir au PSG. Il le fait rentrer contre l'équipe du PSG. Alors que Franck, il manquait beaucoup de choses. Et il est venu me voir, il m'a dit il a une qualité forte. Il faut s'appuyer là-dessus. C'était la vitesse. La vitesse, oui. Et c'est toujours le cas. Mais il a élargi sa palette aujourd'hui. Évidemment. Hein. Évidemment. Ouais, on voit l'importance aussi d'un coach qui défend ce projet-là, la formation. Faut avoir un coach qui a cette volonté-là. Nous, c'est la chance qu'on a à Lens. Ouais. Mmh. Puisque Franck est passé par la formation et donc c'est cette chance-là d'y emmener, d'emmener des joueurs et c'est ce qui est. Et il y retourne un peu hein, maintenant en tant que manager général. Il regarde à nouveau ce qui se passe. Il regardait déjà. Ouais, il regardait déjà. Franck a toujours été quelqu'un qui a. Franck Hez, hein, l'entraîneur de du Racing Club de Lens. Ouais, Franck Hez, donc a toujours été quelqu'un qui s'est vachement intéressé à toutes les composantes du club. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait sa force. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu lui parles. Il connaît sous les bouts des doigts, mais comme à un moment donné faisait Claude, oui, il va exactement. Voir les matchs de jeunes et tout. Donc, quand à un moment donné tu parles d'un jeune, ils savent, donc ils ont une avance. Mm. Et ça, c'est important. Plutôt que quelqu'un à qui tu parles et puis il découvre, il comprend. Bon, ouais, ok. Mm. Et c'est ce que peut apporter, comme on disait tout à l'heure, Didier Digard, hein, effectivement, auprès de Lucien Favre en tant qu'entraîneur adjoint. On va se pencher justement allez, sur ce match entre l'OGC Nice et le Racing Club de Lens. On va d'abord regarder le classement de cette Ligue 1, parce qu'on l'a peut-être un petit peu oublié maintenant depuis un mois et demi. Où est l'OGC Nice dans ce classement? Eh bien, l'OGC Nice est à la 9e place dans la première partie de tableau, c'est déjà ça, avec le Racing Club de Lens qui est bien sûr 2e du championnat, dauphin du Paris Saint-Germain. C'est une très très grosse affiche quand même pour l'OGC Nice pour ce retour de trêve. Puis me rappeler qu'il y a 16 points d'écart quand même entre les deux équipes. Donc c'est énorme. Lens a quand même pris 16 points de plus que l'OGC Nice sur la première partie de saison. C'est quand même énorme. Donc oui, plus une surprise de savoir que ce sera un gros match, difficile. En plus, il y a pas mal d'absents du côté de l'OGC Nice ou de joueurs à court. Donc on va dire que ça tombe à point nommé, surtout avec l'enchaînement avec Rennes derrière. Des absents du côté de Lens, Thierry également? Oui, tout à fait. Franck en a annoncé aujourd'hui. Donc, le petit David Pereira qui est forfait par rapport à son épaule. Alexis Claude-Maurice qui ne sera pas là dans le cadre du prêt avec l'OGC Nice. Plus après, les absents de longue date comme Adam Bouxas et Jimmy Cabot et puis bien sûr Wilker Farinès. Ouais, il y avait 2-3 grippés de l'effectif, ça va mieux. Ils se sont entraînés ce matin, donc on les aura face à l'OGC Nice. Claude Maurice qui fait un bon passage pour l'instant à Lens d'ailleurs. Ouais, qui revient bien. Il fait des entrées et... C'est des desserts. C'est un vrai joueur de football, même si Philippe sort encore une paire pour nous faire rire. C'est quelqu'un qui est en train de retrouver confiance après ses graves blessures. Et c'est un mec avec une mentalité extraordinaire et qui est toujours là pour aider l'autre, mais c'est un footballeur. Mmh. Il pue le foot. Bah, chouchoutez-le bien, comme ça il reviendra en pleine forme à l'OGC Nice la saison prochaine. Pourquoi pas, Alexis Claude-Maurice. On va écouter Dante, tiens, sur cette équipe du Racing Club de Lens. Le capitaine de l'OGC Nice en a parlé en conférence de presse.
C'est une équipe qu'on a déjà vu CK l'été l'année dernière. Cette année, c'est la continuité. Donc voilà, je vois une équipe qui est, c'est du costaud, qui sont très compactes, qui a beaucoup de dynamisme. Il y a beaucoup de joueurs qui individuellement, ils peuvent faire la différence. Et une équipe qui joue vraiment avec la folie, quoi. Ils jouent le football, ils se prennent pas la tête. Et ça, c'est bien. C'est une équipe vraiment très attractive, on peut le dire, avec beaucoup de bons joueurs. Mais au-delà de ça, il faut que nous, on se joue aussi avec beaucoup de confiance, qu'on se prépare ces matchs avec beaucoup de concentration, de détermination, de conviction pour pouvoir faire un gros match et sortir avec les 3 points. Voilà, donc Dante, faire un gros match, sortir avec les 3 points contre le Racing Club de Lens, ça serait une superbe façon, alors déjà, de terminer l'année, puisque c'est le dernier match de l'année, et tu poursuives cette série qu'on en avait entrevue ouais. Juste avant la trêve internationale, avec ce fameux match face à Lyon, où le OGC Nice s'était fait voler par l'arbitrage, score final 1-1. Donc là, il faut reprendre le fil, quoi. Ouais, garder cette dynamique, puisque les matchs allés ne sont pas finis. Eh bien non, il reste encore 4 matchs. Voilà, donc la saison est encore longue. Et oui, mon cher Philippe, Nice oui. N'a pas encore joué Lens cette saison. Et est-ce que Nice peut être champion d'automne Non, là ça va être compliqué. Non, là, quand même. 7 points d'écart sur Lens déjà. Par contre, on va voir ce Boxing Day à la française, ce que ça va donner dans ça les stades. Ça te plaît ça ou pas? Pas spécialement, parce ouais. que c'est pas notre culture, mais je veux voir ce que ça donne et je voudrais voir combien il y aura à l'Allianz. 20 000 attendus pour l'instant. Ils font tout pour qu'il y ait du monde, des animations, c'est une belle affiche. Voilà, on va voir qu'on n'est pas Lens. Parce que. Eh oui, sinon le stade aurait été plein. Voilà. On le savait déjà. Mais c'est dommage. Parce mais les 20 000 qui seront là font autant de bruit que les 40 000 de Bollaert. N'est-ce pas, Thierry? Aucun commentaire. Il devrait y avoir du monde. Ouais, Niçois a lieu à l'Alliance. Oui, bien sûr qu'on encourage tout le public niçois et même ceux qui sont en vacances ici à aller du côté de l'Alliance Riviera parce que ce serait une belle affiche. Allez-y vendredi. Ouais, voir jouer cette équipe du Racing Club de Lens. On va parler du jeu, Thierry, de cette équipe lensoise parce que c'est vrai que. Alors, elle étonne peut-être ceux qui connaissent pas ou qui regardent d'un œil lointain le football, mais les vrais observateurs du football savent ce qu'a fait Francaise depuis 2 ans dans cette équipe et savent que ça envoie du jeu aussi du côté de Lens. 30 mois, exactement. 30 mois, ce que font le staff, parce qu'il ne faut pas oublier Lilian Alice avec lui à ses côtés et maintenant Hervé et Yannick Cahuzac, donc Hervé Sécli. C'est une équipe qui, moi je me rappelle... Le premier match de Ligue 1, c'était ici à Nice, où Francaise arrive et on attendait un discours de dire bon ben on va serrer, on va faire attention et tout parce que bon ben on arrivait Nice, statut, pas de Vira, et tout ça. Terrier a dit les gars nous on va jouer. Le leitmotiv c'est jouer, prendre du plaisir, travailler. Alors bien sûr les résultats ont fait que ça s'enchaîne, parce que si tu n'as pas de résultats, ben peut-être tu ne parlerais pas comme ça. Mais il a toujours prôné le jeu et les courses à haute intensité. Et l'amalgame entre ce staff plus Laurent Bessière, et donc le staff performance d'ailleurs que l'OGC Nice a pris. Va récupérer au mois de février pour Laurent Bessière. C'est ça, a fait que ben, notre équipe est une équipe qui est vachement compacte, comme a dit Dante, et qui aujourd'hui ne se pose pas de questions, on vit au jour le jour. Mais c'était déjà un peu le cas, évidemment, la saison dernière. Et pourtant, il y a eu ce petit trou physique, on peut dire ça comme ça, l'année dernière, qui a fait que le Racing Club de Lens a décroché. Est-ce que cette année, ils peuvent tenir, les Lensois? Ben, écoute, je peux pas me permettre de te dire on va tenir, parce que ce serait manquer de respect déjà aux clubs qui vont nous rencontrer. Je pense qu'aujourd'hui, c'est nouveau pour tout le football français. C'est-à-dire qu'il y a eu une grosse coupure, qu'aujourd'hui, on ne sait pas comment on va redémarrer. Que les matchs sont que des matchs de préparation. Donc pareil, on a été invaincu dans les matchs de préparation. Entre guillemets, tout s'aligne. Mais pour moi, c'est un nouveau championnat qui redémarre. Et puis tu redémarres par quand même 2 grosses affiches. En tout cas, on ne se pose pas de questions. On a 36 points et on est là. On se dit, bon, ben, continuons à rêver. On aimerait être à la place du Racing Club de Lens, hein, Will. C'est vrai, 2e du championnat avec 36 points, tranquille, avec l'objectif Ligue des Champions. Ce n'est pas le cas.
Hélas pour les Niçois, mais malgré tout, il y a quand même une belle partie, une deuxième partie de saison à jouer quand même. Mais sur la dynamique qu'on a entrevue en novembre-décembre et ce qui a joué, il y a des choses positives. Hein. Rien que cette perspective de Coupe d'Europe aussi, qui arrivera au mois de mars. Voilà, il y a cette Coupe de France qui va démarrer. On sait que cette équipe est peut-être capable de faire aussi des parcours en coupe. Donc il y a des bonnes choses. Et puis ils ne sont pas largués en championnat non plus par rapport aux 5 premières places. 9 points. 8 points, 8 je crois, points. De la 5e. C'est pas énorme. Donc voilà, voir un peu si 2-3 joueurs de complément arrivent pendant le mercato. Et gros espoir sur cette Coupe d'Europe. Qui un tableau ouvert. Ça pourrait être la belle surprise de cette deuxième partie de saison. On va regarder la compo probable de ce match entre l'OGC Nice et le Racing Club de Lens. Will, dans un système en 3-4-3, Lucien Favre devrait abandonner ce qui a fait sa force pourtant juste avant la fin de la trêve internationale. Je pense qu'il sera un peu poussé aussi avec les absences et où les joueurs à court de forme. Du coup, il va plutôt chercher à densifier son axe central pour avoir plutôt des pistons que des latéraux dans la défense à 4. Schmeichel, lui, est revenu. Il se passe pas de questions. Voilà, mais avec un match correct à Tottenham. Après, il était un peu obligé parce que Bulka est toujours blessé. Et oui, là, il n'y a pas le choix. C'était ou Boulendi ou Schmeichel. Donc, Schmeichel a la voix royale devant lui pour jouer, donc il va jouer. Défense à 3, donc Rosario qui est plutôt en fait à gauche. Oui. De cette charnière et qui a été bon à Tottenham dans ce côté-là. Dante qui l'a assez encensé tout à l'heure. Donc voilà, défense à 3 avec Todibo et Dante. À gauche, Barre, puisque Brian ne devrait plus jouer. Et Brian, s'il n'avait pas joué un match avec Fulham avant de venir, il aurait pu être partant. Mais comme il a déjà joué il avec Fulham, il ne peut pas jouer avec 3 clubs dans la saison. Donc il va rester à Nice, mais il ne jouera pas beaucoup. Il ne jouera pas beaucoup si tant est que tu recrutes en arrière-gauche. Ils vont le recruter. Mais quand ? Ils vont le recruter. Ils vont faire encore un coup du 31 et janvier. Et Joe Bryan, il va surtout s'entraîner. Donc Bryan, Thuram, Boudaoui, très belle perf à Tottenham, tous les deux. C'est une belle charnière de. Revient bien, Kefren Thuram. Ouais, Kefren Thuram, il revient bien. On a l'impression que la trêve lui a fait du bien, que voir son frère aussi s'éclater à la Coupe du Monde, ça lui amène un peu aussi d'allant positif. Donc, très bonne perf à Tottenham, et avec Boudaoui, c'est voilà, ça court, ça galope, il y a de la technique. Qu'on rappelle, Lemina, encore un peu juste. Lemina, il a repris l'entraînement à peine. Donc, ce sera un peu trop court, même s'il est indispensable aussi, Lemina. Lotomba, qui pourrait être à droite, mais s'il est un peu trop court, parce que lui aussi a été touché, ce sera encore le Antoine Mendy qui le supplérait. Et puis, comme à Tottenham, Pepe Barclay en soutien de Laborde. Barclay qui a quand même joué 80 minutes à Tottenham, ce qu'on avait presque jamais vu faire cette année. Sur les appuis, les premiers appuis, c'est toujours délicat, mais on a vu des choses techniquement très intéressantes. On entend beaucoup peut-être de Ross Barkley dans sa deuxième partie de saison, parce qu'on n'a pas vu grand-chose dans la première partie. On espère qu'il soit mieux physiquement, mais apparemment, c'est compliqué pour lui. Il a beaucoup de bonne volonté, des échos qu'on en a, c'est vraiment super état d'esprit, un garçon bosseur, qui a envie, qui n'est pas là pour prendre le soleil, mais physiquement, ça prend du temps. Pour qu'il soit affûté et qu'il ait de la vitesse sur les premiers appuis, c'est pas encore ça. Sofiane Diop, lui aussi dans le groupe. Sofiane Diop dans le groupe, et ça sera, je pense, aussi trop court pour lui, parce qu'il avait eu une entorse d'un doigt de pied, qui était assez handicapant pour lui. Il avait des douleurs encore la semaine dernière. Donc je pense que pour être dans le groupe, pour être peut-être titulaire à Rennes, et Andy Delors, pareil, qui s'est 15 jours sans s'entraîner. Ouais. Donc, alors il était malade, officiellement. Il était malade. Lucien Favre, on en a reparlé, il était malade pendant 15 jours. Officiellement malade du Andy Delors, donc il ne s'est entraîné que cette semaine, que ce matin il a repris avec le groupe. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur ce Nice-Lens, en sachant que lundi prochain il y aura également ce match face à Rennes, du coup, déplacement des Niçois du côté de Rennes. C'est lundi ou mardi ? C'est lundi. Le 2 janvier. Ouais. C'est le 2. C'est dimanche. Dimanche 1er janvier, lundi 2. Ouais, je suis plus. Donc avec ce Boxing Day à la française. Thierry, quelques mots avec toi. C'est vrai que tu es niçois, tu l'as dit tout à l'heure, né à Nice, porter les couleurs de son club, intégrer le staff de son club, ça c'est le parcours rêvé. Ouais, tout à fait. J'aurais jamais cru le faire, mais je l'ai fait. Donc ouais, c'était... C'est une expérience fantastique, surtout mon rôle d'éducateur qui a commencé en 97,
qui s'est arrêté en 2018. Donc j'ai connu beaucoup de choses. J'ai pas fait que les gardiens, puisqu'à un moment donné, j'étais en charge aussi dès 19 ans. Mmh. J'ai pris la succession de Guy quand il est monté avec les pros. Et rien de mieux qu'un Niçois qui vit pour ses couleurs et qui travaille pour ses couleurs. Et d'ailleurs, pour moi, je travaillais pas. Ouais. J'allais exercer mon plaisir. Ton meilleur souvenir, c'est quoi? C'est la Gambardella, peut-être? Ouais, il y en a plein. Bah ouais, je vais dire que la Gambardella a été quelque chose d'exceptionnel à vivre parce qu'on était trois coachs dans lequel on avait décidé, en intégrant Olivier Januzzi, parce que beaucoup de gens ont oublié qu'Olivier, à ce moment-là, avec l'équipe réserve, et qu'on y a fait beaucoup de mal, puisqu'à un moment donné, ben, il s'est sauvé à la dernière journée. On avait tous décidé, on savait qu'on avait une génération entre les 93 jusqu'au 96, où il y avait des joueurs à tous les postes de qualité. Les Cardinal, les Hassen, les Bosetti. Ben, c'était, tu portais de Bosetti 93 à Franco Nora 96. Non, Boscagli, c'est 97. T'as raison, c'est juste après. C'est surtout, tu avais les Dao Castellana, mais surtout les Jaco Fofana, les Gauthier Lloris, les Lucas Rougeau, mais c'était surtout devant Jordan Amavi, que beaucoup de gens ont oublié. Mopé. Donc tu avais... Et Alexis. Alexis qui marquait but sur but. D'ailleurs, il finit meilleur buteur de la Gambardella. Voilà. Et puis ce truc au Stade de France. Et puis moi, ce qui m'avait ému, c'est qu'on jouait en levée de rideau de Lyon-Queville et qu'il y avait Hugo. Mmh. Et que Hugo allait soulever son premier trophée, quoi. Donc, il y avait le frère qui était malheureusement blessé. Oui, Gauthier était blessé. Gauthier. Ouais. Mais tu avais Hugo, donc tu avais toute la famille Lloris. C'était un petit clin d'œil. Un beau clin d'œil, ouais. Mmh. J'imagine que, évidemment, cette finale de Coupe du Monde, tu l'as suivie en tant que supporter de l'équipe de France, mais en tant que supporter d'Hugo Lloris. Les pénaltys et Hugo Lloris, est-ce que tu peux nous raconter ça un petit peu? Parce qu'on l'a beaucoup attaqué là-dessus, Thierry. Sa capacité à être un petit peu faible sur ce... C'est son point faible, vraiment, à Hugo? Oh, je n'irais pas dire que c'est son point faible. Le problème, c'est que Hugo fait partie des générations de gardiens de l'ancienne génération. Donc, en ancienne génération, on était tous des gamins. Et donc, lui, entre 1m85, 1m88, 1m89, donc on était beaucoup sur l'anticipation, la vivacité, et essayer de lire où le mec allait frapper. Là, aujourd'hui, le nouveau règlement, donc on avait, je ne vais pas rentrer dans les termes, on avait un pas de cadrage à mettre en place pour vite gicler. Là, aujourd'hui, les garçons sont plus de grande envergure, donc ils ont moins besoin d'anticiper cette chose-là. Donc, ils ont juste à attendre et à partir. Donc, c'est un nouveau concept qui ne le favorise pas. Ouais. Mais on ne peut pas dire point faible parce que moi, ça me fait rire quand j'entends les gens dire ouais, sur pénalty, c'est son point fort. Si aujourd'hui, un joueur. C'est très bien. Si tu as Neymar en face. Si tu as Neymar en face, voilà. Tu n'en arrêtes jamais, tu peux être très fort. Ouais. Voilà. On l'a vu pester Hugo, spécialement sur le pénalty à retirer pour Harry Kane. Où il avance un petit peu. Il avance. Mm-hmm. Et on le voit pester sévèrement. Et je me suis demandé. Parce qu'Harry Kane a une course d'élan un peu spéciale. Voilà. Mais est-ce que je me demande si aujourd'hui on n'en demande pas trop au gardien de but? Les joueurs, ils peuvent presque avoir une course qui s'arrête. Mais le gardien, lui, il doit toujours avoir le pied sur la ligne, rester sur sa ligne. Alors que déjà. Il y a plus de chances pour le tireur que le gardien. Je vais faire plaisir à Philippe. À un moment donné, quand tu jouais, tu avais un ballon en cuir avec un lacet. Tu avais des garçons qui avaient des gants en laine avec des picots. Et puis le poste de gardien de but, à part l'équipement, il n'a jamais évolué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus on va te mettre en difficulté, on met des ballons qui volent, qui sont moins gonflés. On te demande de jouer au pied. On te demande d'être le premier relanceur. On te demande de faire des arrêts. On te demande d'être bon dans la lecture. Donc en vérité, on a beaucoup demandé. Mais en même temps, on ne nous met pas les ingrédients pour travailler correctement. Parce qu'il faut qu'il y ait plus de buts. Ouais. Donc pour qu'il y ait plus de buts, eh ben on va te mettre de plus en plus dans la difficulté. À un moment donné, on s'est aperçu, et c'est vrai que c'était une aberration, c'est-à-dire que les gardiens, ils avançaient de 2 mètres devant pour aller sur le côté. Donc quand tu as 11,50 m, si tu avances de 2 mètres, reste plus que 9 mètres, ouais. En vérité, tu coupes toutes les trajectoires. Donc on nous a dit, ben maintenant, voici ce que tu es sur votre ligne. Mais si tu restes coaché sur ta ligne et que, comme tu dis, les mecs sont capables d'avoir ces retenues et s'arrêter... Ça, il faut changer ça, cette règle de je prends mon pas d'élan, je m'arrête... Je ne vais pas me permettre de dire il faut changer. Je suis personne, moi, dans le monde du football, pour dire il faut changer. Mais aujourd'hui, ça te met que... un entraîneur des gardiens comme moi qui te dit « moi, je m'en fous de la taille », aujourd'hui, c'est fini, tu ne peux plus parler comme ça. Et on parle beaucoup de data, de où vont tirer les tireurs. C'était le cas déjà avant, parce que ça, on l'étudiait, ça, beaucoup. Mais aujourd'hui, encore plus, peut-être. Mais bien sûr.
Ouais. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on étudie tout, mais tu donnes tout. Et le problème, c'est que tu enlèves tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas arriver, tu vas donner à ton gardien. Et moi, j'ai adoré travailler sur ça avec Jean-Louis Leca, qui me disait, non, bon, ok, je sais qui tire là, je sais qui tire là, mais après, moi, c'est mon feeling au match. Mmh. Et paradoxalement, c'est pas pour ça qu'il en arrête ou qu'il en arrêtait pas. Mmh. Mais le truc, c'est qu'à un moment donné, tu enlèves tout ce côté instinct. Et petit à petit, on enlève tout ce qui est instinct sur le gardien. Et est-ce que tu travailles avec tes jeunes du centre de formation de Lens, l'aspect psychologique également? On a vu, par exemple, le gardien de l'Argentine rentrer un peu dans la tête de Tchouaméni ou de Kingsley Coman. Alors, il en a fait des caisses après, certes, mais pendant la séance de tir au but, il est rentré un peu dans leur tête. Tu rentres dans la tête de personne. Il n'est pas rentré dans la tête d'Mbappé, ça, c'est sûr. Tu rentres dans la tête d'une personne. Voilà. Pour moi, ça, c'est que du folklore. Mm. Voilà. C'est comme avant, quand tu étais dans un couloir où il n'y avait pas les caméras, où les mecs, ils essayaient de t'intimider. Et puis, si tu avais, excuse-moi, mais des cacahuètes, tu pouvais parler tant que tu voulais. Ça rentrait. Donc, on te disait, on va jouer à Bastia, c'est chaud. On va jouer à Nice, c'est chaud. Arrêtons tout ça. Moi, je pense pas que ce soit un truc psychologique. Moi, je pense qu'à un moment donné, si un pénalty est bien frappé, avec la puissance aujourd'hui que sont capables de mettre les joueurs, tu as 9 chances sur 10 de prendre un pénalty. Voilà. Malgré tout, est-ce que tu formes de la même façon les gardiens aujourd'hui à Lens, par exemple, que tu le faisais il y a 5 ans, 10 ans à l'OGC Nice? Qu'est-ce qui a évolué dans ton métier? Je t'ai dit, déjà, la première chose, c'est le jeu au pied. Il faut qu'un gardien de but soit bon au jeu au pied. C'est obligatoire. Aujourd'hui, tous les entraîneurs, ils veulent que un gardien soit bon au jeu au pied. Mais avant toute chose, c'est que pour moi, aujourd'hui, le critère du recrutement, c'est l'intelligence de jeu. Si tu as un gardien qui pue le foot, même avec des qualités moyennes, peut faire des choses de grandes. Et à Nice, on a eu le parfait exemple avec Cardi. Cardi puait le foot, il savait jouer au pied, il lisait les situations, sur sa ligne il était bien, pourtant il avait plein de défauts, mais c'est un garçon qui a fait une carrière au-delà de ce qu'on espérait. Donc pour moi aujourd'hui, la base n'a pas changé. D'accord, on te demande toujours de te déplacer et d'arrêter des ballons. Mais il faut que tu deviennes joueur, il faut que tu sois. Et puis la deuxième chose, c'est le mental. Le mental. Yoann Cardinal, que tu croiseras, hein, d'ailleurs, que l'on croisera tous jeudi soir, à l'Alliance Riviera, puisqu'il sera aiglon. De la soirée. Comment on dit, trophée de l'ancien aiglon, voilà, c'est ça. Et donc, Yoann Cardinal sera là, tu le reverras avec plaisir, j'imagine, Cardinal. Ah oui, tout à fait. Toute l'Alliance va le revoir. Oui, tout le monde adore hein. Yoann Cardinal, il t'est venu d'ailleurs sur le plateau de Gym Tonic. Philippe, c'est l'heure de ton souviens-toi autour de Thierry Malaspina. Tu vas nous parler d'un match de Coupe de France. Alors, on n'est pas encore à la Coupe de France, ça sera la semaine prochaine. Oui. Mais là, Thierry était au centre de ce match, puisqu'en tant qu'ancien niçois, il gardait les buts de Saint-Raphaël. C'était en 2001. C'était le 24 novembre 2001 au vieux stade de l'Estérel. Donc Nice était en deuxième division. Le stade Raffaello en CFA2. Je vous lis vite fait les compos de Nice. Hein. Alors, Valenconi, Varro, Pamaro, Angamberville, Noguera, Rodriguez, puis Olanier, Manet, Tamazout, puis Meslin, Gagné, puis Cirilli et Sherrad. C'est l'équipe qui monte en Ligue 1. Oui, donc c'est entraîneur Salvioni. Et de l'autre côté, il y avait 6 anciens niçois, ou 7 même, je crois. 6, alors donc Thierry, Malaspina, Macri, Galerne, Miéchamp, Cucchetti, Buffa. Ouais, c'est ça. Voilà. Et j'ai sorti le papier parce que tu avais dit on va pas s'arrêter là, on va sortir Nice et jouer les 32e de finale. Exactement. Et ça s'est pas fait. Qu'est-ce que tu te souviens de... Franchement, rien du tout. En vérité, c'était une phrase qui avait été... En plus, j'étais capitaine de cette équipe-là. Et mes collègues se faisaient tout un monde de jouer contre l'OGC Nice. Bon, moi, j'avais un peu plus de bouteilles. Avec Pascal, on était les plus vieux de cette équipe-là. Et donc, on avait œuvré pour dire qu'on était capable de sortir l'OGC Nice, qu'on était capable de leur poser beaucoup de problèmes. À ce moment-là, Nice, c'était pas encore l'équipe, parce que l'équipe, c'est après ce match de Coupe de France qu'elle commence à mieux tourner. Qu'elle parle en feu, puisqu'ils vont à 3, ils se font sortir au pénalty et aussi à 3, et puis derrière, ils ont enchaîné. D'ailleurs, c'est. Il y avait Roten. Et c'est le changement. Et c'est le changement, parce que le gardien au début, c'était Padovani, et Bruno faisait la coupe. Et ouais. Bruno, après les matchs de coupe, redevient titulaire et fait une deuxième partie de saison à la Bruno, et il a été énorme. Donc voilà, on avait joué sur ce levier, qu'on était capable de les sortir et d'arriver à enlever toute forme de pression à tous ces petits jeunes qui, pour eux, jouaient contre le club formateur, qu'ils n'avaient pas réussi et que donc il fallait à tout prix prouver. Quoi. Et en vérité, on avait attaqué ce match-là
Et alors, ça s'est fini au tir au but. Ça s'est fini un partout. Donc but de Chérad pour Nice et but de égalisation de Buffa pour Saint-Raph. Et ça s'est fini au tir au but. 4 tirs au but à 3. C'est ça. Et Valent Koenig qui a eu le dernier mot par rapport à Thierry. Moi 1, lui 2. Voilà. Un arrêt pour toi. Et 2 pour lui. Et 2 pour ce jour-là, ce jour-là en plus, nous, c'est... Pardon. C'est le joueur qui te manquait. C'est en vérité, il nous manque David Andréani. Qui était à l'OGC Nice et qui, sur le tour d'avant, avait été expulsé avec Chérif Hamlaoui sur un match épique à Vénissieux où ça avait été tendu. Très tendu. Donc, comme on avait une équipe qui ne se dérobait pas, bon, ben, ça nous a coûté cher. Mais en contrepartie, voilà, donc, c'était l'ancien Niçois qui te manquait tout à l'heure dans ton papier. Mais c'est un super souvenir. Ouais, parce que jouer contre son club formateur, contre sa ville, dans une Coupe de France. Je me souviens qu'il y avait des supporters niçois qui avaient brûlé des bancs en bois. Exact. Dans la tribune. Et ils étaient derrière aussi la butte. Une petite suite après. Derrière la butte. C'était un derby, quoi. C'était un derby, c'était chaud. Mais après entre les joueurs, non. Hein. Enfin, c'est un peu sur le terrain, mais non. Ça s'était vite dissipé. Ça a été au début, histoire que nous, on voulait se faire respecter. Ouais. Tu vois, on avait voulu montrer que, bon, on était des amateurs et qu'on allait jouer. Mais en face, il y avait du répondant aussi. Donc, non, c'était. Franchement, moi, ça a été. Tu vois, ça a été un beau souvenir. Parce que jouer contre son ancien club et arriver à les emmener ici. M. Salvioni avait eu beaucoup de respect et à la fin du match, beaucoup de classe en venant dans le vestiaire et féliciter tout le monde. J'avais trouvé ça génial, alors qu'à la base. Les clubs pro, tu sais, quand ils jouent contre les clubs amateurs, je te parle à mon époque. C'était pas souvent le cas. C'était pas souvent le cas, quoi. Mmh. Grand monsieur, sans doute. Classe italienne. Messieurs, merci beaucoup. Thierry, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Gym Tonic. Merci à toi, Mika. Je ne vais pas merci, te demander de pronostic, évidemment, parce que ton cœur balancerait trop entre Nice et Lens. Aucun pronostic. Par contre, je pense à moi, donc vous avez compris. Un beau match, c'est ce qu'on souhaite, en tout cas, l'Alliance Riviera, devant, on espère, plus de 20 000 spectateurs. Messieurs, oui, dans tous les cas, on te retrouve la semaine prochaine. Toi, Philippe, petit peu de vacances bien méritées. Non, je suis pas en vacances. Ah, t'es en repos. Non, je serai là, mais... Sans être là, quoi. Juste avant de finir l'émission, je souhaite de bonnes fêtes à Dominique Baratelli, de bonnes fêtes de Noël et de Jour de l'An. Et on souhaite... Ici, on s'appelle Gym Tonic Baratelli, désormais. On souhaite évidemment de très bonnes fêtes et de bons réveillons de la Saint-Sylvestre à tous les supporters de l'OGC Nice, à tous ceux qui nous regardent. Merci à Chloé Voirgard, Sophie Doncé et Philippe Bertini à la préparation et à la réalisation de cette émission. On se retrouve donc la semaine prochaine et donc l'année prochaine pour un nouveau numéro de Gym Tonic. À la semaine prochaine. Bye bye.